C'est celui-là, le radio-cassette que je vais mettre dans mon taxi. Hey, ah oui. Quatre haut-parleurs, stéréophonie. Ça va être une vraie place des arts sur quatre roues, ton taxi. Bon, j'ai décidé de me gâter un peu. Tu sais comment que la musique, c'est important pour moi. Hein? Ça doit coûter cher, ce système-là. Deux-en pas, j'aurais pas besoin des compagnies de finances pour me gâter. Je sais ça. Même que j'ai vu ton compte en banque, sans faire exprès. Que? Je sais pas comment tu fais pour économiser, moi, je suis pas capable. Ben, sais-tu, un jour, là, je vais me lancer tout seul en affaires. Avoir ma propre flotte de taxis. Il va falloir que t'arrêtes d'acheter des bébelles dans ton taxi, Gaétan. Non, je pigerai pas dans mon compte de banque pour acheter ça. Qu'est-ce que tu vas faire, ta banque? J'ai vendu ma guitare. Ben oui, je n'avais plus besoin, je vois quasiment plus. Gaétan? C'est pas vrai! Même que t'étais en train d'écrire des belles chansons, puis que t'avais du succès en t'accompagnant toi-même à la guitare! Bon. Guitare! Louis, comment tu trouves ça? Ah, très beau, très beau, très beau. Qu'est-ce qu'il y a, matin? Ah, oh, je suis sûr que le patron va me dire non. Tu veux demander Catherine en mariage? Luquette! Imagine tout de suite les pires catastrophes, elle. C'est quoi, d'abord? Éric Boulen. Qui? Éric Boulen, un jeune chanteur belge très populaire en Europe. Fin de semaine que j'essaie de convaincre le patron de le faire venir, puis il tergiverse. Quoi? Il hésite. Hein? Si tu veux mon avis, Louis, Éric Boulen, moi, j'ai jamais entendu ça, ce nom-là. Tergiverse non plus, d'ailleurs. Et alors? Hein? Est-ce qu'il va falloir toujours se fier sur les mêmes valeurs sûres? Toujours miser sur les mêmes éternelles vedettes? Non, il faut du sang neuf dans notre métier. Faut risquer, faut sentir d'où vient le vent. T'as raison, mon Louis. Louis, oui, en parenthèse, justement, qu'est-ce que tu penses du talent de Gaétan, toi? Ah, ben, les quelques fois où je l'ai vu à l'œuvre, il m'a épaté. Oh, oui? Ouais. Un excellent chauffeur de taxi. Patron, s'il vous plaît, un récital de Graziella Bombavetti, le nouveau Rossignol d'Ascala de Milan, vous êtes pas pour cracher là-dessus. Ben oui, je le sais, Mario, c'est tentant. Bon, ben, elle chante tellement bien, là, dans la fin de Faust, là, quand elle s'avance toute tremblante, qu'elle... Pourquoi c'est ma... Pourquoi c'est ma... Mario, si tu veux me convaincre de quelque chose, là... Tout aussi bien de te taire. Oui, patron, je comprends pas vos hésitations. Je sais pas, moi, un homme dont la femme a vraiment travaillé les goûts. Ben oui, mais comprends-moi donc, Mario. Si je présente la Bombavetti à cet atelier au Grand Théâtre de Québec, ouais. Au Centre national des arts, puis à la Place des arts, ici, eh bien, ça veut dire que je laisse tomber le jeune chanteur Éric Boulen. Mais patron, vous pouvez pas mettre dans la même balance Éric Boulen et Graziella Bombavetti, une valeur sûre de la culture à côté d'une petite comète passagère au firmament de la chanson légère. Mais oui, mais Louis tient beaucoup à Éric Boulen, puis il a pas tort, parce que d'ici 3 mois, ça va être un gros nom. On en parle même comme du successeur de Jacques Brel. Mais oui, mais faut pas partir en peur, parce qu'un gars fait 3 mois à l'Olympia, y a rien là. Occupez-vous donc des amateurs de bel canto au lieu de néphénie, de chanteurs niaiseux. Il y en a beaucoup, ils sont nombreux. Attends. Graziella, Bombavetti. Une salle remplie à guichet fermé. Hein, pensez-y. Vous allez collecter. Tu crois de mieux? Mario. T'as raison. Je laisse tomber Boulen, ce sera la Bombavetti. Merci. Que cette main est froide, laisse-moi la réchauffer. Mais Gaétan, t'as pas vendu ta guitare? Ben oui. Ben, faut t'en racheter une autre tout de suite, voyons, ça n'a pas d'allure, ça. Voyons, exagérez pas. Moi, je me servais de ma guitare pour m'accompagner quand je chantais des chansons que je composais moi-même en m'accompagnant à la guitare. Mais justement, Gaétan, Huguette a raison. Il faut que tu continues à composer des chansons puis à les chanter en t'accompagnant à la guitare. Oui, mais Louis, je faisais ça pour mon plaisir, moi, un point c'est tout. Oui, je sais, pour ton plaisir, mais aussi pour celui d'Huguette, puis pour mon plaisir aussi. Non, mais c'est vrai, c'était agréable quand j'apportais moi aussi ma guitare puis qu'on chantait ensemble en s'accompagnant. Mario! T'as bien l'air en forme, toi. Ah, oh, tu patron agréable, bureau agréable, nouvelle agréable. Mario, la nouvelle, c'est à quel sujet? Ah, oh, ben, j'aime mieux le patron qu'il te l'annonce lui-même. Mario? Oui? Mario, j'ai une nouvelle moins agréable à vous annoncer. Hein? Oh, non. Dis-moi pas que Gaétan et Huguette, vous venez de casser. Non. Il a cassé avec la chanson. Hein? Eh oui. Je viens de vendre ma guitare. Ah, oh, pas grave, la faussette. Oui. Hein, t'as pas fait ça? Oui, il a fait ça. Tu...
Tu chanteras plus, tu joueras plus de la guitare. Ben oui, des fois. Oh, c'est... Hein? Hein? Il chantait toutes les belles chansons de la Bégade Bois, là. Tes petits doigts voltigeaient sur tes cols. On dit, petite papa, t'as guillé la fleur entre deux lignes bleues. Puis il y avait donc des choses à s'exprimer d'eux. Oui, Mario, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est ce que le patron a exprimé. Ben... Arrêtez de dire que je chante si bien que ça, vous allez me gêner. Ah! Patron! Il paraît que vous voulez parler, hein? Moi? Qui est-ce qui t'a dit ça? Mario, avez-vous pris une décision au sujet d'Éric Boulen? Petite question, conseil à vous demander. Excuse-moi, Louis. Mario a un petit conseil à me demander. Ah. Patron, oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'organe vocal de Gaëtan? Au fait, Gaëtan, tiens, c'est pour l'ouvrage que tu es venu faire à la maison, la petite lumière que tu as changée dans le réfrigérateur. Ah, OK. Florence est très satisfaite de ton ouvrage. Merci. Elle t'appelle son petit pinson. Il paraît que tu chantes tout le temps pendant que tu travailles. Eh bien, à part ça. Comme ça, vous pensez que tu devrais pas aller au chant guitare? Ni la guitare, ni le chant. Ah, oh, tu vois, Gaëtan, puis Florence, elle connaît ça, le bel canto que je m'entends, moi. Bon, ben OK, d'abord, je vais m'acheter une autre guitare. Oh, Gaëtan, bravo! Félicitations pour ta décision. Gaëtan, je me permettrai de te citer l'évangile selon saint Jean. Quand le Seigneur dit à Jacinthe, Raphaël et Gaffette, va vous donner des talents. Dieu te demandera des comptes. Et un jour, quelques temps plus tard, d'ailleurs, c'est un peu le début de la chambre de commerce, le Seigneur dit à Jacinthe, quand j'ai compris, je vais aller m'acheter ma guitare, je vais venir vous la montrer à promis. Patron, patron, maintenant que vous avez réglé une affaire importante, est-ce qu'on pourrait passer en gros aux détails? Oui, justement, Louis, j'allais te demander de bien vouloir passer dans mon bureau. Est-ce que je peux passer moi aussi? Pourquoi pas? Mario, oui? Mario, ça me rend contente que Gaëtan ait changé d'idée. Ah, c'est encore un talent qu'on a sauvé, un autre les enguilleront pas. Je vous dire que vous êtes bien fin, je vous remercie beaucoup. Mm. Oh, ben, mon Dieu, c'est naturel. Comme le talent à Gaëtan. Louis, au sujet d'Éric Boulen, hein, j'ai décidé qu'on le ferait venir. Excellent. Patron! Mais pas avant un an ou deux. Excellent. Patron! Ah, oh, c'est bien ce à quoi je m'attendais, hein? Toujours la même peur devant le moindre risque. Mais oui, la Bombaletti. La Bombaletti, la Bombaletti. Madame Bombaletti. Madame Bombaletti. C'est pas avec ça qu'on va révolutionner l'industrie du spectacle à Montréal. T'en prends une chose, mon petit garçon, c'est pas toujours avec des pièces qu'on révolutionne l'industrie, mais avec l'art. L'art? Qu'est-ce que tu connais dans l'art, lui, à part de son petit l'art, hein? Ah, bien. Je connais rien là-dedans, mon gros. J'ai peut-être juste fait mon cours au HEC. Je ne suis peut-être pas un pic de farandole, mais vous en dire une chose, tentez-moi pas de béotinier. Ah, oh, patron. Oui, ça suffit. Ma décision est irrévocable. Bon, je vois que je suis obligé de m'incliner devant les deux piliers de la culture universelle que vous êtes. Merci. Patron, est-ce que je peux vous poser une question? Évidemment. Ça vous dérangerait pas que je le fasse venir moi-même, Éric Boulen? Toi-même? Ben oui, j'ai le droit à ma vie personnelle. Ah, pas d'objection. Nous sommes dans un pays de libre entreprise. Tu peux t'essayer si tu veux. C'est tout ce que je voulais savoir. Patron, vous laissez un de nos employés nous faire de la concurrence? Ben voyons, Mario, t'inquiète pas, la menace est pas forte. D'ailleurs, je le comprends. J'étais jeune, moi aussi. Ah, je suis content de savoir ça. En tout cas, moi, quoi qu'il arrive, qu'il advienne, que pour là. Mais que pour quoi? Ma décision est prise. Quelle décision? Mmh. Quand même qui se traînerait sans et haut sur les genoux me supplier d'aller travailler pour lui, m'en rester avec vous. Je serai toujours votre Mario, votre comptable agréé et agréable. Que cette main est froide, laissez-moi la... Mademoiselle, passez-moi donc la téléphoniste d'Interurbain Outre-mer, s'il vous plaît. Oui, merci. Interurbain Outre-mer? Mademoiselle, j'aimerais appeler à Liège. Oui, en Belgique. Monsieur Éric Boulen. Oui, le numéro est 3269, deux fois. Comment? Vos deux circuits pour la Belgique sont occupés? Ah, l'appel conférence. Bon, d'accord, mademoiselle, je rappellerai. Merci. Mon cher Louis, quand tu téléphones comme ça outre-mer à Siège, en Belgique, est-ce que... Cherchant ton compte personnel, hein?
Mario, je rends des comptes au patron, pas à toi. T'apprendras, mon jeune petit garçon, que ce qui passe entre les mains du patron finit par pas passer entre les mains. On aura l'occasion de s'en parler de ces petits infâmes-là. Y a-tu autre chose, Mario? Non! Ah, oh, puis en passant, passe donc dans mon bureau. Il est déjà 4 heures et je dois remettre les prévisions budgétaires de Mme Bombaletti au patron. Mais la Bombaletti, c'est ton spectacle, Mario. Ben, t'apprendras que c'est celui du bureau aussi. Et c'est encore toi le responsable des shows. Viens dans mon bureau, j'ai besoin que tes lumières, même si elles sont pas fortes. J'arrive avec joie. Un instant, s'il vous plaît. Patron, le gérant de la Bombaletti est au bout du fil. Passe-le-moi. Tadam! Guétin! Comment tu me trouves? Oh, t'es beau! Mais t'es fou! Je suis bien content que t'aimes ça. Monsieur Lemay, tu es dans son bureau? Oui, oui, Guétin! Parfait! Guétin! Oui, bien entendu, on dîne ensemble demain. Hein? Ciao. Jean-Jacques? Ah, c'est toi, Gaétan. Peux-tu vous voir? Je suis pas mal occupé. C'est bien important. Bon, d'accord, mais fais vite, hein? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Quoi donc, Gaétan? J'ai décidé de me lancer officiellement dans la chanson. Ah, bon, c'est une bonne nouvelle, en effet. Mais non, la bonne nouvelle, c'est pas ça. Ah bon, quoi donc? C'est toi que j'ai choisi comme impresario. Ça serait rien que je te dise tu, là, entre nous autres. Non. Ouais, vous m'avez tellement encouragé un matin que j'ai fini par comprendre, puis j'ai décidé de me lancer. Puis, je trouvais ça naturel de venir te voir, toi, plutôt que n'importe qui d'autre. Hein. Ça me fait plaisir. Donc, j'aimerais ça savoir combien ça me coûterait moi, pour faire une semaine au Patriote. Le Patriote? Tu veux dire le Patriote à Montréal? Oh, ouais. Voilà, après, je vais faire une tournée en province, inquiète-toi pas. C'est comme toi, mon Gaétan. T'as l'air décidé. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Mais pour rien te cacher, là, Gaétan, c'est que je suis pas mal pris avec des petits spectacles de tes confrères. Là, ils vont déchanger de berbécos. Ah oui, comprends ça. Puis, le soleil, lui, est beau tout le monde, hein? Puis dans les circonstances, je pourrais pas m'occuper de toi personnellement. Mais je connais quelqu'un dans le bureau là, qui serait ravi de te prendre en main. Ouais. Bouge pas. Ah, Louis, t'étais là? Oui, je suis d'ailleurs très content d'en être sorti. Louis, ce matin, là, je t'ai donné le feu vert pour que tu t'occupes de tes affaires de ton côté. Et vous avez changé d'idée, je suppose. Oh, non, 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 non. Au contraire. Il y a un artiste dans mon bureau qui serait ravi que tu prennes sa carrière en main. Un artiste? Oui, un chanteur. Un chanteur? Ben, est-ce que je le connais? Oh, oui, très bien. Sans blague, patron. Vas-y, t'attends. Oh, j'y vais, certain. Merci, patron. Vas-y, vas-y, tu me remercieras après. Salut, boss! Ben là-dedans! Assieds-toi, j'ai à te parler. Ah ben, t'es ému, hein, je comprends ça. Mais comme le patron a dû te le dire, je me lance aujourd'hui officiellement dans la chanson. Patron, où est Louis? Dans mon bureau. Ah. En conférence. Mais en conférence avec qui? Avec son premier client. Mais patron, il n'y a personne qui est entré dans le bureau sauf Gaétan. Justement. Ah, oh, ben, patriote, Gaétan, ben, pourquoi pas à Place des Arts, d'un coup parti, hein? Ris pas, Louis, je suis très sérieux. Oui, mais Gaétan, tu sais pas combien ça coûte, ça? Faire louer des salles, faire de la publicité, engager toutes les... J'ai de l'argent. 10 000 piastres. Hein? Ouais. C'est pas tout. J'ai vendu mon taxi. Mais Gaétan, mais t'aurais pas dû faire des folies comme ça. Enfin, de toute façon, toi, Gaétan dans chanson, Gaétan Brouillard. Justement, Gaétan Brouillard, je trouve que ça fait pas assez flasher comme nom. Je me suis trouvé un nom d'artiste. En ce moment, là, j'hésite beaucoup entre Roger Boivin et Pierre Gagné.
Ben, c'est toi-même qui as dit qu'il fallait qu'on fasse confiance à des figures nouvelles, prendre des risques. J'ai dit ça, c'est tout un bureau d'impresario à m'avoir dit un matin que j'avais du talent. Pas niaiseux, j'ai fini par comprendre. Ouais, mais écoute, Gaétan, ce qu'on a voulu dire ce matin, c'est... Mon premier contrat, c'est dans 2 semaines, le bal des chauffeurs de taxi. Ça va être parfait, je vais faire mes débuts comme professionnel devant mes anciens camarades de travail. Bon, ben, attends-moi, Gaétan. C'est si t'en vas? Je m'en vais chercher tout ce qu'il faut pour t'ouvrir un dossier, puis les chiffres de la prévente de Ferland de la Place des Arts dont j'ai besoin pour ton dossier. Bon, mais très bien, la Bombaletti sera à 3 jours avant. Ah, oh, un triomphe, évidemment. Au revoir. Vous êtes fier de vous, je suppose? Écoute, mais je voulais te donner un coup de main. Produire Gaétan aux Patriotes, hein, ça demande moins d'investissement qu'Éric Boulet. Oui. À la rigueur, moi, je pourrais rire de votre petite farce plate, parce que j'ai le sens de l'humour, moi. Ah oui, je vois ça, oui. Non, mais Gaétan, lui, il pense au sérieux, très au sérieux. Vraiment? Oui. Il vient de vendre son taxi. Non. Oui. On n'a pas pensé à ce qu'on disait ce matin, mais sans le savoir, on l'a encouragé à se prendre au sérieux. Bon, ben, très bien, je vais prendre mes responsabilités. Je vais aller lui dire qu'il se met un doigt dans l'œil. C'est pas aussi simple que ça, patron. Il y a tout un aspect humain dans cette affaire-là. Là. Vous vous rendez pas compte, mais Gaétan est très, très, très sûr de son affaire. Alors, on peut pas démolir tout ça brusquement sans démolir aussi le reste de son équilibre mental. Avoir su? Ouais. Attendez, j'ai une idée. Je vais retourner voir Gaétan, puis je vais lui faire tellement peur là, qu'il va décrocher tout seul. Je vais lui dire, Gaétan, c'est pas une semaine que tu vas faire aux Patriotes, c'est 3 semaines. Excellente idée. Et puis on va lui dire qu'on a besoin d'argent pour réserver ses soirs l'automne prochain à la Place des Arts. Et puis à part ça, je vais lui parler de tournée. Oh oui, une tournée du mois de mai au mois de septembre, de Saint-Boniface à Moncton, ça c'est bon, plus loin possible. Bon, mais très bien, oui. Viens, on va aller à la salle de conférence, on va inscrire ça sur papier. Il pourra pas refuser. Chance que je suis là pour réparer les pots cassés, hein? Ah, Louis, excuse-moi. Mais si tu en sors très bien, là, avec Gaétan, je pense que t'as toutes les qualités voulues pour faire un excellent impresario. Ah, tiens, mon chien. Les prévisions budgétaires pour la tournée de Mme Graziella Bombaletti. Tu veux bien me taper ça? Mais on y guette. Mario, c'est fini. Hein? J'ai perdu Gaétan. Hein? Ben oui. Oui, puis le patron veut l'engager comme chanteur puis l'envoyer en tournée tout l'été. Je le reverrai plus. Tu me niaises pas, là? Ben non, même que Gaétan est dans le bureau du patron puis sont en train de faire des offres mirobolantes. Mais sont-tu? Mais sont-tu à prévenir fous, ces deux-là? Ça pas de... Écoute là, sers-toi, je sais pas moi, de tes charmes personnels, brasse-les un peu. En tout cas, essaye de convaincre Gaétan de pas écouter ces deux caves-là. Ça a-tu de l'allure? Je vais essayer, Mario. Tu trouves pas ça extraordinaire? Ah oui. Je suis très contente pour toi. Oh, quand je pense que Louis va faire de moi une vedette! Je le sais. Bravo. On te ment pas, là. C'est comme un rêve. Moi, j'arrive pas à y croire. Tu peux le croire, hein? Ils s'en viennent avec des offres que tu pourras pas refuser. Coudonc, Guette, on dirait que ça te fait pas plaisir. Au contraire. Même que j'ai l'intention que de pas être un obstacle à ta carrière, Guette. Inquiète-toi pas, hein? Je vais m'effacer. Je vais me retirer du décor. Qu'est-ce que tu vas me chercher là? Puis, peut-être qu'après un de tes spectacles à la Place des Arts, dans un an ou deux, ben, peut-être que quand je vais aller chercher un autographe, ben, tu vas te rappeler de moi. Voyons, Guette, il n'y a pas question qu'on se laisse. Puis la tournée, ils sont en train d'organiser une tournée de 4 mois. Je peux pas te suivre, moi, Guette. Une tournée de 4 mois? Bon, ça va s'arranger, ça va s'organiser. Non. Ça fait longtemps que je travaille ici, hein. J'en ai vu d'autres. Voyons, Guette. Gaétan, ça a été bien beau entre nous. Ça a été une bien belle aventure. Mais là, c'est fini. Bonne chance, Gaétan.
un guet, puis j'ai une idée. Je sais pas, mais je veux pas le savoir. Oh. C'est toi. On a pris des balles de ton compte, le beau-frère. Sans doute es-tu là ton costume de chanteur vedette? Chanteur vedette, c'est vite dit. Hein? Je comprends. Ils te font marcher. C'est plus grave que ça. Plus grave. C'est moi qui ai fait marcher, Mario. Hein? Eh oui. J'ai parlé avec Huguette, là, puis... Mario, je pense que je vais laisser tomber ça, le showbiz. Ben oui, je suis. Moi, je suis pas comme Jean Lapointe ou ben Yvon Deschamps. Moi, je suis pas prêt à sacrifier ma vie à ma carrière. Ah! Oh! Ben, je suis content de le voir prendre comme ça. Mon Dieu, que je suis long. Oh, oui, oui, pis c'est comme ça, pas de ça. Là, je te sens redevenu les deux pieds sur la terre, pis les deux mains sur le meter. N'as-tu d'autres choses à m'apprendre, pour de ça? Ben, j'ai vendu mon taxi. Non, je peux le revoir facilement, Mario, hein, facilement. Ouais. Y a-tu d'autres choses? Un gros problème sur les bras, oui. Huguette est enceinte? Mais non, c'est Louis. Louis est enceinte? Ben non, Louis, je l'ai embarqué dans une affaire d'impresario, là. Moi, je vais y expliquer ça, que ça marche plus. Ben, voyons, c'est bien simple. Dis-y donc, t'es moins cave que tu n'as l'air. Oh, Mario. Franchement, là, si ça n'a pas d'allure, on perd notre temps. Mais voyons donc, patron. Non, si tu vas aller le voir, tu vas lui parler, là, franchement, directement, il va te comprendre. Je suis pas si sûr que ça. Ben voyons donc, je te fais pareil, tous les deux. T'es encore là, toi? Oui, justement, ça tombe bien. Je voulais te voir pour te parler. Ah bon, tu veux me parler? Oui. Louis, évidemment, je tiens beaucoup à cette tournée-là. Hein? Mais si pour une raison ou pour une autre, là, il arrivait que ce soit pas possible de la faire cette année, je comprendrais ça. Ah, bien sûr. Moi aussi, d'ailleurs. Ah, oui. Tu sais, Gaétan, je tiens beaucoup à ce que tu sois mon premier poulain. Ah, oui. Et je compte beaucoup là-dessus. Mais si pour une raison ou pour une autre, tu changeais d'idée, ben, il faudrait que je revire mon capot de bord, moi aussi. Oh, je suis bien content que tu me dises ça, parce que... Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Ah, oh, ça, t'as bien raison, mon gars. Brouillard, vedette la chanson. Faut-tu être assez naïf? Puis Louis Gauthier, impresario indépendant. Faut-tu être assez calme? Dis pas ça, Gaétan. Hé, Gaétan puis Louis, c'est fini, folie, là. Ah, ça doit achever. Comment ça se fait que tu es au courant, toi? Parce que chez nous, c'est une grande famille. Dans une grande famille, tout le monde se sait. Qu'est-ce que vous avez décidé? C'est bien fini, là, les projets de fou. Au contraire. Louis et moi, on se lance en affaires. Oui. Gaétan a accepté d'investir quelques milliers de dollars, puis ensemble, on fait venir Éric Boulen. Même que notre business, ça va s'appeler les productions Brouillard Gauthier. Non, Gaétan, là, je pense que tu viens de te tromper. Ça va s'appeler Gauthier Brouillard. Non, c'est moi qui mets le plus d'argent. Brouillard Gauthier. Mais voyons, Gaétan, Gauthier Brouillard, c'est moi qui apporte l'expérience. Hein?